En fait, le thème, donc, c'est l'imperfection masculine. C'est-à-dire que dans notre discipline qui est le rap, en général, on appelle ça un ego trip. Le titre résume bien le thème du morceau, hein, c'est-à-dire que tous les défauts qu'on peut avoir, c'est-à-dire l'homme en général, puis les relations avec les filles, avec le taf, avec ça raconte un peu tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de dire comme beaucoup de morceaux de rap, de se mettre en avant, là, c'est le contraire en fait, l'autodérision. Tout simplement, hein, c'est mon frère qui a trouvé le thème, qui a fait la structure du morceau, tout ça. Il m'a envoyé le morceau avec le thème, tout était complet au final. Lui, il a tapé chez lui, moi, comme je suis sur Marseille, je l'ai enregistré à distance. Ce qu'il faut savoir, c'est que Black Dahlia, c'est mon frère, et puis à une époque, on avait un groupe qui s'appelait La Cinquième Colonne, donc on a l'habitude de bosser ensemble. Personnellement, c'est vraiment un univers nouveau pour moi, hein, posé sur des musiques un peu rock, tout ça, j'avais pas trop l'habitude, mais c'était un beau challenge. C'est vraiment un ovni, quoi, c'est-à-dire que tu peux pas vraiment dire ce que c'est. C'est du rock, du rap, du ska, je sais pas, tu peux pas dire. Et c'est ça qui, je trouve, qui est intéressant. Tu papy Didi, j'ai une assistante sociale qui m'inscrit au RMI. Le matin quand je me lève, c'est la merde, pas de job, pas de clope, je suis en chien comme une fucking fière. Je ne suis pas l'humeur d'une absinthe, t'étais dans la pousse. J'ai raté le coche, tombé mes études, arrêté le taf, mais je suis derrière comme un dame.